Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV. Aujourd'hui, jeudi, comme d'habitude, hein, nous a fait la cuisine. Et bien entendu, je ne connais pas trop ce que ça fait aujourd'hui. Ah si, si, il a dit moi comme ça, il s'est fait brain manioc. Mais la pluie tout a tombé, là, mes spènes à brain manioc là-haut. Parce que brain manioc, c'est un plat vraiment typiquement créole, ça. Hein? Enfin, il paraît que bonne malgache aussi fait ça bomper. Bonne maoré aussi mange ça bomper. Mais créole, ils mangent ça un paquet. Et ils mettent un paquet d'affaires aussi dedans. Alors, des fois, ils mettent morceaux de la viande, boucané surtout, hein? Des petits crevettes, des fois, poulet aussi, saucisses. Un paquet d'affaires, il fait avec bread manioc, hein. Et donc, il dit aussi qu'il fait curry bread manioc. Parce qu'il dit pas, il fait un sauté bread manioc. Il dit pas qu'il fait un petit bouillon bread manioc. Il dit pas aussi que ça fait un fricassé bread manioc. Non, il dit, il fait un curry bread manioc. Et ça, aujourd'hui, c'est BNI. Ça fait à nous ça dans la cuisine de la semaine, hein. Bien entendu, sur Canal Austral, c'est une émission, tous les semaines. Et sur Piment TV, on aura le plaisir de voir toutes les heures ou tous les deux heures une émission de cuisine parce que Piment TV et ta dominance culinaire. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous montre tout de suite. Là, mis à garder si Nabred, il paraît que Nabred, Daniel m'a appelé, il était là, dis-moi Nabred Manioc là-haut. Nous allons aller Rod Bred Manioc avec BNA parce que c'est BNA qui fait la cuisine cette semaine. Et nous aura le plaisir de voir comment il concocte ça pour nous. Il dit ça concocter, voilà, son Bred Manioc pour nous. Mais bon, nous allons tout de suite, hein. Allez, il est parti. Dans tant longtemps, mon petit pays t'éprend la vie comme t'es y vient. Le temps t'y coule tranquillement, chacun son chemin. Pour travailler, n'avait courage. Dehors, n'avait point trop ta page. Ça brûle manioc la Réunion, ça? La Réunion, ça? Ben oui, la Réunion. On a dit nana bread manioc Maurice. Maurice, c'est bread manioc la Réunion. Il doit être le gros. Quand on dit le manioc, gros manioc blanc. Gros manioc blanc là. Hein? La poulet elle est rouge. Hein? Après, on a le manioc Java. Manioc Java? Hein? Hein? Hey, c'est quoi manioc 5 ans là? Manioc 5 ans? C'est ça? Manioc 5 ans, manioc 10 ans, mais que pas, on va le gros pied manioc là. C'est ça manioc 5 ans? Il y a le plus gros là, Ah mais là, un pied gagne un carré, non? Ben oui. Regarde la quantité où gagne dans un pied. Des tonnes. Des tonnes? Ça allait beaucoup. Ouais. Et un pied comme ça, un paquet comme ça coûte 2 euros marché forain. Ouais. 2 euros ma vie marché forain. Encore? Ben, un petit peu. Un petit peu alors? Ouais. Ah, les tonnes vraiment? Il n'y a pas beaucoup, mais c'est un peu trop parce qu'il y a des citronnes pour là. Qui gagnent en bas. Hein? Et là, la pluie a tombé, là, il y a plus un petit peu vite, non? Ben, la pluie a tombé parce qu'il y a lui. Ouais. Pourquoi il y a comme une idée? Ah ouais, elle est bien. C'est bon. Vous prenez des piments tout de suite alors? Ouais. Vous faites rougaille d'Akatine aujourd'hui alors? Ouais, mais d'Akatine avec pistache, même. Vrai pistache, c'est bon. Comment il appelle là-bas? Là, elle est bon là, non? Ah oui. Là, elle est correcte, assez ça. Assez? C'est ça. Ben, elle est bon alors. Ouais. Hein? Un petit peu de manioc. Bon, il paraît de boire à la pointe. Ou allume de feu. Allume de feu. Mais l'oublie prendre bois. Donc, il laisse à l'autre un instant, mais il s'attrape un peu de bois tout de suite là-bas. Hein? Elle est bon là, pas de problème. Avec M. Zil. M. Zil, là, préparer un petit peu de bois pour nous. Hein, les 2 km plus bas, là, il s'attrape. Il faut pas voir pour mettre dans nos gars de Katine, non? Ah, on se met comme avant de Katine alors. Ouais. Fais attention, bon, faire comme avant, on a zépin, ça. Ben, quand tu rôdes coquille longtemps là. Avec ça, nous t'étions le pied à l'hiver. Ben, nous t'es prends ça. Hein? Ben. Hey Daniel, ça c'est un pied comme ça.
fait. Ah, ça là, devant moi là. Là. C'est un pied tabac. C'est un pied tabac ça. Un pied tabac. Mais là, il finit. Le fer finit sec. Le fer finit sec. Et, là, et le grain repousse encore ben, le grain là, est en vieux sème. Hein. Il repousse. Ah bon alors. Pas ça, on a un plat d'un, comment ça met. Ouais, ouais. Mais il ne fume pas nous ici à cause de sa pied tabac là. Non, mais ça, on voit un pied tabac là. Ça lui est bon pour les insectes. Mm. Par contre, le feuille saute, on a coupé. Ah, bon, les insectes qui viennent coller avec la feuille. Ouais, ah, d'accord, m'a compris. Alors, donc, on plante bon pied tabac là partout ici, bon insectes alors. Ouais. Donc, Bernard, les bio même ici alors. T'es ici, pour les insectes là, on n'a pas besoin d'insecticide. La pied tabac. Hein? Ouais. Et vous avez des trois pieds tabac comme ça ici? La tombée, mais la coupée. Ah, hein? Mais il y a repoussé. Mais tout ça, vous coupez. Il y a repoussé, mais il vient plus joli comme avant. Là où on prend le grain. Ah, mais donnez un grain là, on a beaucoup de affaires là. Ah, beaucoup de grain là. Comment lui, il est fin. Il est fin. Ah ouais. Bah ok alors, nous connaît maintenant pour tuer mousse, plus besoin d'acheter l'insecticide. Bah. Il faut prendre pied tabac, plant pied tabac. Ah, on s'est habitué, t'as l'air de mon prendre pied tabac partout dans cette cour. Pas bien, avec modération. Pour les couvres, on a pour le poule. Vous prenez des trois feuilles, mettre le tout. Après, quand le poule il lève, là, le poule il grogne. Mais il arrête de couler des films. Ah bon alors. Bon, bébé, là, nous, ça va faire notre carré aujourd'hui, alors. Ouais. Bon, nous, ça va de bois pour me dire waouh, hein, les bons. Ouais, t'as l'air d'en présenter au carré. Les bons, alors, ok. Ben voilà, on m'a fait demi-tour parce que m'a reparti parce que Niela l'appelle à moi de moi comme ça, il monte là, donc il va passer un petit coup chez Zil là-bas, il va récupérer le bois lui-même. Donc il arrange moi parce que Tifa Miro descend 2 km plus bas là pour les trappes de bois. Donc ben il retourne tout de suite là-bas et m'allait peut-être pile un petit peu bread manioc quelque part là, là-bas parce que là il est n'a pour piler la bread manioc là parce qu'elle nous pile ça, nous pilons loin. Et bon ben il repart tout de suite. Hein. Allez, nous retrouve là-bas tout de suite. Bon Daniel, lui, il me toujours un petit peu avec le bois Nena. Il m'a fait, il m'a fait, il monte, il y a même le bois. Donc vite à moi, il m'a fait demi-tour dans le chemin. Ben, et là, avec cette Nena là, on gagne un petit peu là alors. Ouais. Là, vous faites comme d'habitude là, vous mettez un peu camp dedans. Là, où est le grain Ali? Là, mais des feuilles, il y a un petit peu. Mais des feuilles, il y a des manières où on ne moule pas le coton ensemble parce que sinon, la mie, elle n'est pas bon. Ouais, ouais. Hein? On moule ou on pile? Ben. Moi, je dis tout le monde s'apiler. Ben, nous s'apiler, nous là. Ah bon, alors, parce que. Il ne faut pas nous dire tout le monde s'apiler après à moule. De toute façon, la peau moulin ici. Hein? La peau moulin ici, nous ça. Nous, là. La pilon, oui, la peau moulin. Hein? Ben. Donc, ça... là où est le grain Ali, on enlève tout ce bon gongon là. Grain, on appelle ça gongon aussi. Ben. Ben. Nous, on appelle ça bâton, non? Bâton. Ben. Hein? Bonjour, dis-nous, ça fait. Ça nous appelle ça un petit carré la misère, même. Hein? Ouais. Ton bois de manioc, et les côtés par ici, hein, côté par là-bas, nous ne connaissons pas, mais dans le nord, par ici. Ben, nous aimons bien un petit carré comme ça, nous rafraîchir un peu le corps, ouais. Sans un petit peu. Ouais. Hein? Hey, le manioc là, il est originaire d'Afrique, lui. À mon avis. Ben, parce que c'est en Afrique qu'il va bomper ouais. Le manioc là, parce que ben là, il mange la racine manioc, hein. Ben. Il fait un beau peu d'affaires ça avec ça, la racine manioc là. Ben, hein? Il fait un beau peu d'affaires avec ça. Ben. Et que le manioc, il fait la poudre manioc pour attendrir la viande. Hein. Alors, j'avais entendu parler de la poudre manioc. Ah ben oui, mais il fait pas rien que ça même. Il fait même des galettes de manioc pour manger tous les jours, comme nous mangeons de pain. Oui. Comme nous mangeons de riz, ben là, il mange des galettes de manioc tous les jours. C'est pour ça, Midiao, ça qu'il y a une culture là, oui. Tapioca? Ben. Et tapioca, comment il fait ça? Il prend la semoule de manioc, ouais. Donc il veut dire qu'il râpe le manioc. Ouais, après il vient en petit boule. Il vient en petit boule comme ouais, ça, ouais. Hein? Et après il met du sucre fécuyé, ouais. Ou il met du sel aussi, non? Il met du sel. Il prend ça comme petit déjeuner le matin, il met dans le lait. Ah bon? Ben. Ah ouais. Mais bonne brène manioc là, c'est bonne créole. Même là, fait ça ou bien? Et bonne. Parce que. Ça, c'est Madagascar. Ben là, il fait ça. Et comme ça, Mayotte aussi là-bas, ben là, il fait ça bon au pays. À mon avis, c'est brène manioc, hein. Ça, l'origine, ben là, il fait certainement Madagascar. Hein. Ouais. Mais nous, à mon avis, c'est bonne de moule longtemps. Parce que nous connaissons, nous sommes plusieurs. Plusieurs nations ici nous sont mélangées. Ouais. Donc certainement, c'est quelqu'un là-bas l'amène ça ici, vous comprenez? Ouais. Bon, longtemps, un rayonnet, tout un pied de bois là, ben, il fait toujours une affaire ensemble, il trouve toujours que ça fait. Ouais.
Les bonnes malgaches appellent ça Ravtou, une affaire comme ça, non? Je sais plus bien le nom comment il est. Ravtou. Ravtou, une affaire comme ça. Hein? Un jour, quand on a trouvé un malgache par là, on m'a demandé un coup comment il fait. Hein? Comment il appelle, hein? Comment il appelle, mais là, là, où ça fait bread manioc, là, où ça pile à lit. Et après, il va où la mettre saucisse. Il s'en met saucisse dedans, non? On doit mettre. Boucané. Boucané, mais quoi? On va pas gagner boucané, ils ont dit. Ben, la veille, mettez trop gras boucané. Donc, il dit, ah, mais on y prend. Mettre saucisse. Mais on peut mettre un mauvais affaire aussi, de là, non? Ben, on peut mettre saucisse, on peut mettre boucané, on peut mettre. Et la viande consomme, peut-être salée. Ah ouais. T'as trouvé. Mais hein, et comme maladie en prend l'ulta là, là, il dit curry bread manioc. Il dit pas frais cassé bread manioc. Ah, toujours il dit pas bouillon bread manioc. Ah, curry bread manioc. Curry bread manioc. Hein? Curry bread manioc. Allez, bon alors. Ah, ouais, vite fait, Daniel là, là, comment il flambe là maintenant là. C'est pas ça. Hein. Là, il faut. On est là, il arrive avec ce bon morceau de bois vite, parce qu'un instant on aura pire. Ouais. Là, on va le saucisse bouillé. Hein. Ouais, bouillé. Voilà. Bouillir. Hein. Voilà. Hein, on va mettre un peu de l'eau dedans. Ça, c'est pourquoi ça fout tirer son. Le sel ni là-dedans, ah, un peu le gras ni là-dedans. Fait cuire il y a même fait cuire un peu l'eau dedans. Parce que si vous faites cuire direct, hein. Ah. Il n'est pas bon. Ben, on en a pas, on peut mettre. Bah, on met une pistache, mais ça fait un bouquet de pistache. Un petit bouquet de pistache ouais. Mais vrai pistache alors. Un vrai pistache, ça fait ça. Donc, vous faites griller un pistache d'abord. Ben, un poilon. Bon, bien, ils ont dit bread manioc alors hein? Ouais, ils ont dit nous, bonjour déjà toute la Réunion et puis. L'océan Indien aussi. Aussi. Ouais. Ils ont dit nous, ça fait un petit bread manioc. Oui. Avec un rougail pistache. Rougail pistache. On dit ça comme ça, un rougail pistache. Hein, mais bah. Là, traditionnel, là, c'est pas dans une boîte là. Hein? Là, c'est pas dans une boîte, les traditionnels. Traditionnel. Et nous, ça fait un bread manioc avec saucisse. Hein, saucisse dedans, dire, hein. Saucisse dedans. Bread manioc. Et pour ça, que tu as besoin hein? Ben là, ma, pour le bread manioc, on a besoin de deux tomates. Deux tomates seulement pour bread manioc hein? Oui, deux tomates assez. Plus, ouais, deux têtes d'oignons. Ouais. Ben, pour ça, on a besoin de 6-7 tomates pour faire grillali, pour faire le gaille au feu de bois. Ouais, ouais. Ben voilà, hein. C'est tout, là, pas grand-chose. Un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Un petit peu d'huile, un petit peu de sel, comme d'habitude. Ouais, voilà, comme ouais. D'habitude, d'oignons, tout ça, comme d'habitude. Comme d'habitude, tu peux te faire un genre, tu fais kobava, donne le dakatine, tu donnes un petit bon goût. Ah ouais, fais kobava, le pâtis cassé, là, là, hein. Ouais. Voilà, et là nous ça crase, ça aujourd'hui, ben nous ça crase, il y a un petit peu d'un pilon. Voilà, bon, les bons ça là. Ça remonte un petit peu, bonne rayonnée, là le petit coutume. Surtout rayonnée dans le sud. Hein? Hé, hey, la semaine passée nous avons reçu bonne sudiste là, hein? Calix c'est toute la bonne quand il fait tang, caritang. T'es bon ce moment, hein? T'es bon, t'es bien, hein? Bon, hein? Et ben là, bien dire où, hein, que là-bas dans le sud, ça se mange pas vraiment. Ben, hein? Ben là, il connaît pas. Enfin, il ne connaît pas Zotimon, pas aussi, peut-être Zotimon, mais je ne connais pas. Enfin, c'est pas normal que me dise ça, hein. Peut-être que je ne connais pas aussi. Ouais. Bon, voilà, là nous sommes quand le. Le bois de manioc. Le bois de manioc. Là, on est trop fondé à faire. Hein. Ouais, c'est pas quand ça. Un instant. Ah, vite. Ah, ben ouais, ça vite. Environ, t'as un petit coup de temps, hein. Ah, ouais. Ah, oui, ça vite. Un instant. Mais il dit qu'il boit de manioc un pilon, le goût le meilleur. Le goût le meilleur? Ben, ouais. Fait dans le robot là. Peut-être les trop fins, t'es pas réglé, ouais. Ouais. Il vient garder un coup là-haut. Ouais. Ouais, ben là le premier est fini alors. Ah, ça fait. Oh. Faut qu'il en gagne plus là. Faut qu'il est trop gros là. Faut lui être fin, mais fin avec un dégrésus. Ouais. Ben. Ah, quand nous fait ça, nous fait par rappel bande de monde, par exemple, bande de monde a 60 ans, 70 ans. Hein. Quand ça, tu regardes ça là, t'es bien longtemps que tu fais ça vraiment, nous. Hein. Comment? Longtemps, le madame, tu commences plus grand, matin, puis le bois de manioc. Ben. Et ça, le bois de manioc, c'est un plat, quoi, tu manges plutôt le midi ou le soir, ça? Ça, midi. Midi? Ben, le soir, si, parce que le bois de manioc est léger. Le bois de manioc, c'est pas une affaire, il est lourd, donc il est léger. Bon. Et là, de monde, il fait cuire, lui aussi, des fois, il met il a des sauces, d'autres, il met dedans. Et là, nous, ça fait un dit simple, hein, avec un saucisse, saucisse dedans. Bon, mais là, ça vous pile le bon bras de manioc parce qu'on a beaucoup de temps. On va revenir après, hein. C'est bon. Bon, allez, bon, alors. Allez, tout à l'heure, alors. Allez. Comment t'es carré, moi? Allez. Regardez, comment ça va, là. C'est bon. Eh ben, au fin d'arrivée, donc. Ben.
cheminée. Le bois? Il fait que manger à point de bois. Là, il mène de bois dans le sac plastique dans la malle loto. Mais comment on veut m'y amener ça? Mais pour camion, pour étrape de bois? T'es tout ça, camion casse-gréole, n'est là, un camion la poêle. Alors, il nous amène de bois dans notre malle loto? Bah, il dit les meilleurs. Les meilleurs, alors? Fait que manioc ou ça rode de bois ou même ou amène. Ouais. N'aurait été mieux si c'était moi-même, t'es coupe, mais bon. Ouais. Ah bon, Nadi Zil coupe. Zil. Ben. Nadi merci, Zil alors. Ben, t'as merci. Il n'est pas trop loin, en bas, c'est la route. Mais il coupe bien de bois. Là, ça c'est de bois, quoi ça? Ça c'est bois litchi. Bois litchi, ça? Oui. Ben. Hein? Mais tout le temps, c'est lui-même qui coupe. C'est lui-même qui coupe de bois. Mais bon, la prochaine fois, on a pas un camion, on allait chercher un camion, au moins, on n'aura pas un, non? Ouais. Parce que là, à petit. À petite dose. Petite dose comme ça, et ça pas loin. Ouais. Ah ben, on a pas en train de filer le bon brin de manioc là, hein. On a dit comme ça, on s'agarde un petit coup la rivière. Parce que de l'eau là tombée, la pluie est tombée là. La rivière là descend. Ben. Et la clôture, la râle toute. Ah ben, regarde un coup que ça fait. Ah ben, elle est vraie, la râle la clôture. Ben. Ah oui, ben, elle a grandi la rivière. Le cyclone n'a passé vraiment. Bah ben ouais. Ah ben alors descendre la garde un coup la rivière là-haut. Tempête l'a passé. Eh, hey, bonne volaille là. On va pas faire la pluie dedans, on va pas plaire de l'eau dedans. Ah, le bon zoal est la même, et toute bonne volaille est abattue. C'est des autres, hein? C'est bon, la paralité. Non, paralité. Sauf qu'il y a un régime banane. La parale plus banane, hein? C'est la paralée, mais elle est beau. Puis la paralée, hein, gâte là-bas. La quantité. Bon, allons voir. Ah ouais? Regarde là. Là, il a envie la rivière. On fait un trou dans le machin là-bas. On fait un trou ça? Dans le galet. Hein? Ben. De l'autre, t'es fort, hein? Regarde toute cette pied là râlée dans la rivière là. Toute bonne pied banane avait planté. Hein, là, pendant que vient attendre pile le bras de manioc, à nous, nous vient pas de carrer la rivière. Viens garder la rivière couler. Ben oui, parce que la rivière, ben ces derniers temps, on l'a vu. La pluie est tombée, la râle un peu toutes les affaires, mais j'espère le beau temps va fonctionner. Ben déjà, il fait chaud, donc on pense que le beau temps est déjà présent. Mais mon noir, la rivière là, et peut-être qu'il y a un petit carré chevrette dans l'anneau. Non, la rivière vient de descendre là, la chevrette, puis là. Ouais, elle n'a pas trop de poisson, là. Là, la rivière elle est propre là aussi. Ben là, quand elle est trop propre, il n'y a pas. Ben, elle est bon là. Et il y a banane partout dessous là, il faut ramasser. Mais voilà, banane partout là. Ben. Là, bien saccage partout en tout cas. À nous là, seulement la dégratée de qui nous, hein. Pourquoi? On a tant de travail, à nous vient garder la rivière. Si, allez, allons d'aller. Alors, pour le grand, donc d'aller beaucoup de main alors. Hein? Allons d'aller, comme allez. Banane partout qui est là. Pratique? Ah, t'es long, hein? On a gagné les bas de carré dans la rivière qui est là pour garder un peu comme ça, la fait la rivière. Nous avons fini à l'étape de bois. Et où là encore avec coup de bois de manioc même. Et où là prend presque 30 minutes à peu près. On va quand même regarder un petit peu.
Ouais. Un crasier deux fois alors. Ouais. Ouais. Appuyez-moi alors. Bon, ben, je passe à l'étape, l'étape suivante. Ouais. Mais bon, un anira qui est arrivé de l'autre côté là-bas. Je crois que c'est tant fait. T'as mis des riz au feu? Là, bien, là, ça fait un petit bouquet avec pistache, mais avec pistache frais. Oui, pistache frais. Cacahuète ou pistache? Ah, pistache. Non, oui. Attends, la différence pistache-cacahuète. Ah bon, il y a la connerie? Eh oui, il demande Jean-Pierre Boyer, dernière fois. La différence, vous connaissez Jean-Pierre Boyer? Pistache pour créole. Nous, de santé local, hein? Nous, de santé. Il y a ça, Jean-Pierre Boyer, là, non? Pistache pour créole, cacahuète pour... Les oreilles. Ça, Jean-Pierre Boyer, ça, c'est un morceau qui a bien marché, ça. Hein? Ah, il est bien tourné, ça. Ouais. Bon, nous faisons un petit coucou à Jean-Pierre Boyer là-bas, bon. À Saint-Gilles. Hein? Oui, pour dire que le pistache, c'est mon, le pas trop bon le foie. Donc, ça, le pistache, c'est bon pour le foie aussi. Il est bon pour le foie. Ben. Et puis, il est bon pour la mémoire aussi, pistache. Ah, ben. Ah bon? Pistache cru, hein. Moi, c'est bon pour la mémoire. Pistache cru, il est bon pour le foie. Et pistache comme ça, cru même, il est bon pour comme la mémoire. Ça, ben. Ça c'est pistache frais, ça. Il fait une sac un petit peu, hein. Ouais. Ouais. Donc là, ça fait grillé, là. Hein? Là, ça fait grillé. Il est bon, là. Grillé bien, il y a un petit côté. Il est bon, fait ça. Pas mal. On se retrouve ça. Ah, c'est ce que tout le temps, chaque côté. Où est-ce que tu as? Même petit boutique chinois devant là-bas. Mais ils vendent déjà comme ça? Oui. Ou bien dans la coque? Non. Déjà comme ça. Comme ça? Là, où le vin a fait plusieurs mois. Ben, ouais. On l'a fait un gros léréa. Quel léréa on l'a fait? Ben oui, Bernard, t'es pas prévu, fait un brin de manioc au boucané. Ben. Mais que ça saucisse, faut donner mamie. Ben, il avait pas, hein? Il fait à la guerre comme à la guerre. Hein? À 10 ans. Ben oui. Hein? Il avait pas saucisse, il avait pas boucané, il a pas saucisse. Et puis, son pont, souvent, avant, il dit non, les goûts. Donc, là, il dit calcul, mon zé. Ah, il y a pont, ça dit non. Mais non, c'est pas le midi, mais il mange avec le soir. Les goûts, la pont, ça ou, dit à soi, ça mange brin de manioc. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la saucisse et le boucané. Ah oui. Mais bien sûr. C'est même si la viande porc, mais il y a une différence. Ah bah oui, boucané, il n'a plus un goût fumé, les meilleurs. Saucisse, pas pareil. Mais là, le saucisse, avec tout ça, la boucane, là, ça a un goût fumé. Même il a, non? Oui, mais le goût même quand on mange au brin manioc n'est pas pareil. À moi de préférence, mais il préfère un brin manioc boucané. Brin manioc la morue, brin manioc boucané, brin manioc, qu'est-ce que vous avez dit à moi de la chevrette? Ouais. Chevrette. Mais là, la rivière, ils font là-bas, là, il n'y a pas là. Regarde, t'as dit comment descendre la rivière, là-bas, là. Même petite boîte, puis. Et pareil que c'est mon bread préféré. Oui, c'est mon bread préféré. Ah. Ben, depuis petit, maman est comme ça, ben, nous l'avait plantation, nous l'avait tout ça, nous t'es mangé ça souvent. Ah. Puis ben, à chaque fois, maman t'es fait cuire ça, ben, maman, t'es mangé ça, c'est mon bread préféré. Dans même depuis tant de temps, quand t'es mangé bread manioc, t'es marché sur une brosse à dents? Ben. Hein. Avec la bouteille de l'eau. Ah, parce qu'il y a pour les dents, il y avait. Pour rincer sa bouche. Ah, c'est pina. Tu le coupes bien même, hein? Ah oui, bien sûr, c'est tout là. Ah. Oui. Moi, comme ça, tu donnes du manioc là, on ne met pas beaucoup de soignons, non? Non, mais maintenant, regarde le pistache aussi. Donc, ah ouais, on fait pour les deux? Ben, c'est un petit peu plus. Ben. Et le saucisse, les bons, il y a? Ben, les bons, il bouille. Les bons, il y a alors? Mais ça tient, hein? Ça tient. Ben, après, on fait frites, hein? Les bons. Comme d'habitude. Vous lavez un petit peu, comme d'habitude. Lave un petit peu. Et là, vous mettez sur le feu, après, ça laisse aller revenir un petit peu. Bah. Fais frites, allez, donne-moi vite. Même là, alors. Bah. Là, qu'on va mettre un pilon là. Un petit pilon là, un petit peu de manioc, quoi dedans là. Là, il y a un petit peu de sel. Un petit peu de l'ail. L'ail de sel, hein. Ouais. L'ail de sel. Mais pas un petit peu de l'ail aussi dedans. Non, là, pas. Ah, là, t'as mal à redescendre au pied, là. Mais puis, juste là. C'est là. Obéli? Encore là? Ben. Il nous roule, il sort dans la canne, il sort. Ah, ma race, c'est pire. Et pas grave, on a une grande quantité là-bas. Hein? Il est bon, hein? Bon, oui. Tant. Voilà. Pas besoin d'aller loin ici pour gagner la jambe, hein? J'ai un jambon aussi, maman. Ben, Nina, un jambon est bon pour quoi ça? Mettre dans le carré poisson. Ah oui, c'est vrai, carré poisson. Voilà. Après, le moune, ils mettent dans d'autres carrés aussi. Hein? Ben, là où ça va aller, hein? Ouais, ça fait! On va mettre de l'huile de mamite. Mettre de l'huile de mamite? De mamite. T'as un dîner là?
À demain, tu as fait de l'huile de marmite. Ah, ben, le manou, hein. Ah, ici. La marmite, ça, là. Hey, le pistache a fait griller du feu de gaz alors? Ben, j'ai déjà ça, là, j'ai fait dessus le gaz. Ouais, le feu de quoi? Mais là, les grillés, les brûlés là. Regardez quoi? Ah, il faut. Ben, il dit pas moi. Tu peux aller avec pas, mais laisse aller cramer. Ben là, j'ai rien oublié cramer. Ah, ben, il connaît pas moi, on l'a pas dit à moi. Non, mais bon, il faut faire griller encore, il est pas grillé là. Là, il est pas cramé. Là, c'est bon, il est pas besoin de là, hein. Faut aller voir. Faut aller lui-même. Faut aller là. Faut le pain de chinois. Tourner, pistache. Joli, hein? Ah, ouais. Et on dirait que mon café, non? Ben. Mais là, on torrifie à l'île exactement comme quand il torrifie le café. Hein? Torrifier le pistache. Ils sont toutes bonnes saveurs. Ma t'as donné un petit van. Un petit van. Vrai de manioc. À la Réunion, eh bien, nous c'est cuit ça avec de l'eau, avec des épices, tout ça. Oui. Et à Mayotte, eh bien, Banay fait cuit ça avec le lait de coco. Ouais. Le lait de coco. Oui. Ouais. Et il fait ça avec le lait de coco et ça il appelle le mataba. Ah bon? Ben. Ah. Une bonne malgache là, m'a dit qu'on sait faire ça à vous. Ben, peut-être pas tout le monde y appelle pareil. Hein. Peut-être par rapport aux régions, ceux qui habitent, je sais pas. Ah bon, et à nous, le appelle ça comment nous? Vrai de manioc, côté. Tout simplement, vrai de manioc boucané, vrai de manioc saucisse, vrai de manioc crevette, vrai de manioc morue. Plein de trucs. Et on dit carré, vrai de manioc ou? Ben oui. Il dit pas un rougail bois de manioc. Ah non. Il dit pas un sauté bois de manioc. Non. Il dit pas un bouillon bois de manioc. Non plus. Il dit pas un fricassé bois de manioc. Quoi que fricassé bois de manioc? Non. Faut cuire ça. Non. C'est pas fricassé. Donc un carré bois de manioc alors. Voilà. Mais dis que je le mange. Mange un carré bois de manioc. Un carré bois de manioc au saucisse. Voilà. Les bons alors. Bon, on les voit bien alors. C'est quoi l'étape suivante? On va mettre un petit peu de l'eau chaude là. Là, on va mettre de l'eau chaude dedans. Ouais. Écoute, tiens, tu coules le DAV là. Là. Eh, banane à Mayotte, à Madagascar, on a vu banane, ils mangent ça, mais en liquide. Comme ça. Plus liquide, hein. Bah. Donc là, on met de l'eau chaude dedans, moi, comme ça, l'eau chaude enlève un petit peu l'amertume. Voilà. L'amertume, voilà. Ah, son juvé, un bon juvé. Voilà. Au moins, de monde qui n'avait pas fait bras de manioc, qu'on bat le monde dans le sud là-bas, là. Ben, tu connais maintenant? Eh, arrêtez, ennui, de monde dans le sud, parce que vous connaissez quoi, Béana? On rencontre de monde dans le sud, justement. Là, dit, un monsieur là, là, dit comme ça, côté nous, qui n'est pas fait cuire, dit, viens, coucou, côté nous, au revoir, hein, coucou, bon monde dans le sud. Parce que, dit ça, il ne fait que répéter. Nous l'entendons, il fait cuire manger. On n'a pas dit ça, tu n'y pas, nous l'entendons, dit là, Diano. La semaine dernière, nous avions de monde dans le sud ici, la Diano l'a confirmé que les gens ne mangent pas ça bon pé. Là-bas, je ne connais pas trop comment il fait. Lui doit avoir, un petit peu ça, lui doit avoir à peu près au moins 60 000 habitants. En gros, hein. Peut-être dans 60 000, on en a 15%, 20%. La Diano, viens manger. Diano, viens fait cuire pour manger. Là, du coup, ça, de monde dans le sud, de monde dans le sud, fait bien manger vraiment ce mois. Ben oui, ils ont mangé des bons manger. Après, ben, pas tout le monde cuisine pareil. Ah. À moi, il fait mon carré de manioc, n'aura pas le même goût que Béana. Ouais. Béana va faire, n'aura pas le même goût que l'autre. Ben oui. Tout le monde a votre petit secret, votre petit manière de cuisiner. Oui. Pas de quoi, on est bien, ouais. Le juvé à dessous. Et donc, là, le juvé à dessous, là, c'est très pigeant, hein. Ben. Mais t'as un peu de sucre, quand tu as dit qu'il n'y avait pas boire ça? Non. Ouais, plaisante, moi, là. Non, pas de ça.
vous pouvez réparer la pain chocolat. Ça la marque les esprits, ça la pain chocolat là. Hein? Voilà. Voilà, vous écrasez, elle est bien, vous presse, elle est bien. Là. Hein? Il faut pas aller mettre de l'eau dedans, son cuillerie. Si, oh, un petit peu, il va grave. Plaisir, après, mais de toute façon, le plaisir, maintenant, tu peux mettre de l'eau dedans. Hein. Bah. Là, il rentre bien son juvet à l'œil. Hein. Ah oui, le papier juvet à l'œil. On va pas vous regarder, un petit peu même. Hein. Un joli verre, ça, ce moment. Hein. Ah, mais la courgette, il manque un petit peu dedans. Ben. Hein. Et bien, à récupérer le petit peu dedans, alors. Ben, ça récupère le petit peu. Vous êtes pas rien, ça fait cher, c'était. Ah oui, il y a tout ça, verre. Ah, regarde un petit peu, ben. Ah, le passoir est un peu épais. Hein? Les mailles un petit peu gros. Ouais. Normalement, il faudra un passoir avec, un maille, avec les mailles un petit peu moins gros que ça. Hein? Ouais. Avec un chinois, comme il dit ça. Hein? Mm. Enfin, pas avec un chinois, hein? Avec un petit appareil qui appelle un chinois. Voilà. Voilà. Et elle a fini de deuxième tournée comme de. Ça, bon. Mais remets dedans ou là, c'est comme ça? La partie vite, le deuxième. Ouais. Ça, le pistache gruyé. Ouais, pistache. Gruyé, pistache. Voilà. Donc, ça va l'étaler alors. C'est pas bon. Bien, ça. Là, bien, après, ça fait que ça va rester. Là, on va mettre dans un petit coin là-bas. Là-bas. Et là, ça va mettre dedans. Hé, qu'est-ce qu'on mène pour Bernard là? Un petit peu de piment confit. C'est pas trop de piment confit. Mais après, un petit peu chez maman. Mettre dans le brin de manioc. Brin de manioc. Un bon petit goût, brin de manioc avec un petit peu de piment confit, ça donne un bon goût. Ça, c'est une tradition, ça, tout le monde qui fait ça, hein? Ben. Là, bien, là, on coupe le. Coupe le saucisse. Le saucisse, hein? Pas trop de pied parce qu'il va dans la bataille, sinon. Saucisse poulet, ça? Non, saucisse porc, ça. Saucisse porc, ça. C'est tout le lait que vous voulez manger. Voilà. Ah, moi, je me range la bouche pour mon boucané. Vous le saucisse pour mes valises. Ouais, c'est mon saucisse. On va essayer. Elle va rester à travers la gorge. Je ne connais pas si les vôtres les miennes, mais. Elle va rester à travers la mienne, si mon dimanche. Ben. Ça me voit. Ah, t'es chaud, mais. Tu dois faire comme ça, là. Pareil, car faiseur. Faut tirer les affaires de tout. T'as le petit paille. Le petit paille là. Ouais. Il est un peu chaud là. Ouais. Pareil, Brisley, moi, il met de la main, il a fait chaud. Ouais. Là. Mais la bonne cheval là, d'une fois là-bas, là, il mange ça. Hein? Et le pisote. Bon, le pisote. Voilà. Tout le bon petit paille qu'on enlève. Hein? Pas trop, pas tout. Tu laisses un petit peu. Pas un petit peu. Avec des lapins indices avec ça, non? Ah, avec des riz. Avec des riz, des lapins indices, il a sa coque, hein? Ben, il a ça avec des riz. Et puis avec les crevettes, souvent la coque crevette. Ah. Ça donne un lapin indice. Et puis le zoo. Quelqu'un il mange gras, le zoo, il envoie. Ah. Ça aussi, des lapins indices. Ben, quoi, les chiens, ils prennent un lapin indice? Ah, ben, les chiens n'ont pas même l'organisme que nous. Les chiens, les riz. Hé, qu'on mange, même l'hôpital, là, hein? Il faut goûter la saucisse. C'est bon? Ben, c'est bon. Et depuis tout à l'heure, tu ne te fais pas saucisse, tu te fais boucaner. Ben, la pointe, mon saucisse, il dit ah, quand la pointe saucisse, boucaner, respondit. Ouais, bon français, il dit comme ça, faute de grill, on mange des merles. Voilà, c'est l'expression française là, vous. Mais non, faute de grill, on mange des merles. Ben, là, les points boucanés, ils ont dit, ben, la mange saucisse. Bon. Il y en a qui essaient de dire ça, il y a aucun peu. Voilà. Voilà. On va mettre le marmite sous le feu avec son huile dedans. Oui. Et là, on s'en fait cuillerie. Hein? Comme ça. Ouais. Et les chauds, ça? Les chauds. Hein? Il fait comme ça, il enlève plus vite le petit truc dessus. Ah, vous êtes bien habillé pour jouer dans un peu pistache gruyère, hein? La diaou là, bonne créole, mi diaou et mi re diaou. Eh bien, confirme, hein? Créole n'est un linge spécial pour qui je mangeais. Ouais.
tablier, nous mettre pas. On n'a pas besoin de tablier. Normalement, il faut mettre pour éviter la guinoute linge. T'es mal acheté tablier, Canal Austral, tablier, Piment TV, personne n'y met pas. Rien que ça, non, médecin. Ouais, il y a Calix qui met les siennes. Et ma amie qui fait des ordres là-bas. Là. Ça allait, il vient pour les bons. Donc là, on a toutes les épices dedans. Là. Dans les épices là, tout ça, Nena. Attends, je demande un petit coup là. Nena. L'ail. Oignons. Les oignons. Ouais. Et les épices. Avec l'ail, l'ail et tout ça. Et puis un petit tomate. Et c'est quoi ce petit morceau d'ail entier là? Ah, c'est une pomme de race. Ah bon, d'accord, alors, ok. Donc là, on fait revenir les oignons, on va tout mettre les petites choses. Et après, on va mettre les saucisses et en dernier, le bread. Ouais. La saucisse. C'est un peu réaliste. Ah, il y a un peu vert parce que là, tu l'as dit comme si on l'avait fait de la manière là. Bah, c'est pas bien comme ça. Voilà. La manière, je vais un petit peu revenir. Après, on rajoute une gomme. Un petit morceau de gingembre, c'est le boulot. Un petit morceau de gingembre dedans alors? Ouais, j'ai mis dedans comme ça directement, un petit morceau de gingembre. Hein. C'est le petit vrai piment confit dedans. Hein? Le piment confit, il arrive à ce moment-là alors. Non, mais même un petit peu quand même. Après, t'allais voir mettre un petit peu. Là, on va mettre le. Là-bas, les autres, vous l'avez. À ça, j'ai vu. Vous mettez un petit bout dedans. Ouais. Ça va pas. Et là, qu'est-ce que tu en fais? On enlève toute la saleté dedans. Regarde comment on met noir. Ouais. Fais attention, t'as la honnie comme moi. Et là, on s'en rajoute le bras de fer. Hein. Ouais. Ou puis, elle s'allie bien, on rajoute dedans. Et là, on crache le pistache. Ouais. Et on crache les dents qui sont même moins. Il y a un bol au verre. Le dire comment se lever? Le dire quoi ça? Le dire le pistache. Pourquoi faire des pistaches là? Hein, rappelle-le, comment tes petites affaires se mettent. Hein, t'es fait griller la haie. Après, t'es pile dans le pilon comme ça, tu fais le son. Ouais. Après, t'es mettre dans l'eau. Au moins, comme ça, t'es à tiens chevrette. Ah, et là, t'es pêche le chevrette. Comment elle fait bizarre, hein? Ah. Eh, le chevrette, il ment le son maïs. Pareil, dis donc. Ah, elle fait toujours là. Fait toujours, hein. Donc voilà, hein, le bread manioc au saucisse c'est fini, c'est fait, hein. Maintenant là, ça fait le yogurt de pistache. Bon. La fine pile de pistache là. Elle grille bien, hein. Ah. Ça a vite fait quoi, hein. Bon. Le tomate là encore dessus de feu, enfin l'air côté le feu. Là on met du quoi, des trois oignons dedans. Ouais. Des oignons, piment, sel, ah, tomate. Ça roussit un petit peu. Ah, ça roussit un petit peu quand même alors. Ouais. Ah, on se fait de la marmite. Bah. Ah, d'accord alors. Non, pas d'un petit peu, hein. Ah, elle est bonne. Hein. Marmite aussi est bon. Bah. Il goûte un petit peu le bread. Bien bon. C'est bon? Ah oui. Un bon petit peu de piment aussi, piment confit là. Le piment confit là, il donne le goût au bread manioc. Hein. Bah, on va pas mettre. On va mettre bon pé. C'est bon, hein. Ah, ouais, c'est bien mené parce que c'est bien mené. N'a rien à voir avec bread manioc mixé. Ah bon? Wow. Il est meilleur, garde plus le goût. Uh-huh. Et là, nous encore garde la saveur. Voilà. Mmh.
tu tiens la peau là. On enlève la peau sur bonne tomate grillée là. Ben. On va voir. Hein. Ouais. On va le faire après. Voilà. Et on va mettre un petit lot pour la pilerie. Oui, après nous aussi. Tu vois, on gagne tomate, on manque un peu de piment dedans, un peu de sel. Tomate grillée dans le pilon. On gagne tomate avec tomate. On a tout en allant, on a piment, on a de sel. Ah, on a déjà ça en allant alors. Ouais. On le prend, on le met là alors, le piment, le sel, on le met dedans là, alors. Non. D'accord alors. Direct. Ah, on gagne pipi libre, hein, sinon on va déborder. Hein. Non, on gagne pipi. Dieu. Ouais. On met tout le poil aussi fait. Et où ça fait où trouve la pistache? Si tu peux. Ouais. D'habitude, normalement, là. Ouais. Explique-moi. Normalement, il faut que la pistache de fait là. Ouais. Ouais, c'est tomate, tout, tu crases le tomate, tu mets dedans, tu te fais. Mais là, nous, on fait au pilon, mais après, faut aussi aller sur le feu. Mais bon, là. C'est des ordres. Hein. On va tout donner dedans. Ouais, c'est pour bien joli. Là, on met toutes les tomates dedans, là, et dans nos tomates, on va mettre de sel, on mettre piment. Là, on peut mettre ça pour moi, là, on va mettre ça pour aussi. Là, donc. Ah, vous avez tout ça, vous allez mettre ça pour. Ah bon? Ah non, là, attends, la réalité, vous le dites. Là, pour l'instant, pourquoi mettre le pistache dedans? Là, il est pareil, un petit rougail à midi, il y a, non? Bah. Si le rougail à midi, il n'y a pas rien, il n'y a que tomates, les oignons, là, tout de suite, hein. Bah. Il va pas mettre l'ail dedans, non? L'ail. L'ail, non, hein, il ne met pas l'ail, hein. Et un petit peu ça fond dedans. Uh-huh. Ah bon. Tu dois faire un gars pistache mettre sa fond dedans? Ah ben ouais. Ah bon, moi je fais un peu jaune alors. C'est comme joli là. Hein? Et bon, de mon Yvan, de pain avec un gars pistache, une bonne chemin là. C'est pour ça que le gars pistache est jaune comme ça alors. Ah ouais, c'est joli hein. Mmh. Eh ben là, on peut trapper un petit peu de trois morceaux de poisson, mettre dedans, faire un petit carré de poisson. Ah oui. Un peu crevette, mettre dedans, faire un petit carré de crevette. Ah oui. Voilà, là, on met tout pistache. On met un petit peu par petit peu. Et où tu en as? Et par contre, mon plus d'azote, pour quelle raison nous mettre dans l'eau chaude? Hein. C'est pour tirer tout le hiver. Hein. Hein. Parce que si vous faites qu'il y a une normale comme ça, là, il fait mon tension. Ah bon? Ben, faut donc, pas trop, il faut tirer toujours les hivers là. Hein. Sinon il fait mon tension. Ouais, là, il avait un petit peu trop la viande, non? Ben, la viande avait pas trop le bois de manioc, mais les bons, bon, hein. La couleur, toutes les bons. Ben. Hein? Mmh. Mais après, ça pas plein, on a un peu plus la viande. Ouais. Hein? Mais après, là, pour rien, pour manger. Ah, moi, préfère la plus le bread, moi. Vous préférez la plus le bread? Ben, moins de viande, plus bread. Eh, mais on a vu deux gros paquets noix cassés là, hein. Bah, on a fini, hein. Il reste plus grand chose, hein. Voilà, et nous pas achète rien? Non. Nous a pile toutes. Et à côté, nous avons le petit rougail pistache naturel, grillé, pilé, et cuisiné de super de bois et tout. Ben, qu'est-ce qu'il faut plus là? Rien? Ben, voilà le petit plat que nous présente à vous aujourd'hui. Bon, ben, elle est une affaire, elle n'est pas trop difficile à faire. Hein? Voilà, hein. Ben, c'est bon alors. Donc, bon, mais les autres passent à table alors. Ok. C'est bon? Ok. Hein? Ok alors, c'est bon. Allez. Ok. Ouais, les... Autant il y a un bon manioc, hein? Dans le cas qu'il fait un bon opé, mais il faut au moins 4 fois comme nous l'a cassé là, pour gagner un bon bois de manioc, non? Ah ben oui, hein, parce que là, rien que tout ça, rien que ça tu gagnes, hein? Reste-moi pas mettre... Il rend pas, les bois de manioc, là, hein? Il rend pas.
travail d'Acatine. Pas mauvais du tout, dans le côté, mais encore où tu manges à soir. Il s'en régale à dire. Eh, hey, petit goût safran sur le côté là, il va aller, hein? Il y a un petit peu safran là, hein? Ouais. Bon, ben voilà, maintenant il reste plus qu'à aller rôder le brosse à dents après qu'à finir manger. Heureusement, on n'a pas mettre les hivers, sinon il fallait rôder des brosses à dents. Ah bon? Ben bon appétit! Merci! Allez, au revoir, Canal Austral et Pimenteville. Et tout le monde dans le sud, ouais. Et surtout le monde dans le sud. Dans le sud, surtout, hein? Hein? Bon, voilà, le monde dans le sud alors. Ben, on nous retrouve la prochaine fois. Ok. Ouais. Sur Piment TV, bien entendu. Et sur Canal Austral. Aussi. Mmh. Aussi. Mais bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez. Bon appétit. Dans le temps longtemps, mon petit pays te prend la vie comme t'es y viens.